Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. Déjeuner à Beaune dans un restaurant bien sympathique. Il s'est pris un truc sur la main, il s'est ouvert le doigt. Musée du château des ducs de Württemberg. Il a pris aussi la succession d'Albert André dans son rôle de conservateur de musée, du musée Albert Orme, en aplat de couleurs, ce qui peut donner l'idée d'avoir un produit créatif, mais c'est pas forcément. Allez, une petite pièce au guide et on s'en va. Dada, tu fais de la gym ou tu prends des photos? Nous déjeunons au bord du lac de Constance. Direction le Tyrol, sous la pluie. C'est long la route, hein? Nous venons juste d'arriver et ils sont déjà à table.
quand même vous dire, Rattenberg, ça n'a rien à voir avec les rats. Paparazzi, hein, c'est pas bon. Il y a combien d'habitants ? À peu près 3000. Champignons venimeux ? Que dans la forêt noire. Ben oui, ça ressemble quand même. Médiéval. L'église est superbe. Un petit arrêt chez Linda. Démonstration de massage. La petite chapelle aussi. Voilà, on va tourner à droite. Alors on va arriver devant l'hôtel. Voilà, tu mets donc à la place pour les bus.
pareil, ils ont le même système. Vous aussi ? Attention ouvert, toi là, mais fais-moi attention. Vous avez bien. Déjà moi dans mon tout petit balcon, j'ai déjà. À quelle heure on part ? À quelle heure on part ? Vous, hein ? Le visage de la dame qui a dit ça. Excusez-moi. Mais non, parce qu'en bas, j'ai une lumière jusqu'au bout. Sec. Ils sont en train de le vider. Ça a vraiment baissé, hein ? On a tout beau. Ah. Tu perds ton froc, Paul ? Nous arrivons aux chutes de Grims. Et là, on descend là. Ça, ça veut dire. Ici, vous voyez l'auberge de montagne, c'est Holm, hein. Et là aussi, on peut manger du speck. Est-ce que vous savez ce que c'est le speck ? Non. Non, vous n'avez jamais mangé ? Non. C'est en Holberg. C'est du lard, Salzburg. Les travers. Waouh! L'infini, oui! Bon.
pas voir vers la suite. Le florissement de ce village est exceptionnel. Je vais arriver un peu plus tard. Tiens, les gars de Saint-Georges. C'est pas de la soupe, c'est du savon, les gars. Là-bas, le rouge et le blanc. Ouais, oui, là-bas aussi. Encore Saint-Georges, mais ils nous suivent. Mais il y a du monde pour voir passer les vaches. Ça fait rien. Oh! Thank you.
belle, celle-là. C'est la reine des vaches, là. Oh, elles sont belles. Les bouses et vous retrouverez les vaches. Des top modèles. Elle pose pour la photo. Christiane, regarde au fond là-bas, il y a un autre popo qui rentre. Et t'as vu les autres là-bas? Il y a un peu de
Nous allons parcourir un monde extraordinaire dans la lumière et les cristaux. Magnifique. Impressionnant. Du cristal.
curieux, hein. Interdit de pisser en nature ici. Direction la fête de la bière. Nous allons assister maintenant au défilé d'ouverture de la fête de la bière. Avec ses 8000 participants, c'est assez exceptionnel. C'est beau. Regarde. Il y a une barbouille, regarde. We'll be right back.
fois qu'on dit avec sa chorale. Vous devriez aller manger, les amis, là, vous devriez aller manger. Là. Carabiniers, j'ai pas vu. Hein? Non, ils ont des fusils.
C'est un vrai. We'll be right back.
jolie, hein. C'est joli costume. Problème. Avec toute cette foule, les secours ne peuvent arriver qu'à pied. Pas de problème. C'est super.
Thank you.
beau. Ici, c'est la police qui travaille et qui ramasse les barrières après le défilé. Allez, fini la fête de la bière. Nous allons maintenant aller visiter une ferme tyrolienne. Ah, la maîtresse de maison. Il n'y a pas de schnapps à la piscine. Hein? Messieurs, dames, comment ça va? Bien, bienvenue dans la ferme Mühlenhof. Je m'appelle Fabiola et je suis la personne qui va vous présenter cette ferme. C'est bien sûr avec un grand plaisir que je vais vous connaître. Sont typiques de la région. Chaque famille a ses propres couleurs et aussi ses propres dessins. Les peintures sont toutes faites à main et rénovées tous les 20 ans. Ah! Ah, Dieu! C'est quoi, Dieu? Non, ouh! Un détail très creux dans la cour. Des tables. La
Bon, ben, il a l'habitude de... Est-ce que tout le monde me coûte la couleur? Dans ton accord, a été fait tout l'accord, si vous vous demandez, qu'est-ce que ça a été comme œuvre? Ça a été un grand sapin en bois. Il y a une autre chose, ça, que vous avez aussi remarqué, sur les fermes tyroliennes. Hein? Dans les clochettons. Ouais. Tout c'est... C'est une vraie ferme, mais un tas de fumier. On le met ici, on le met en plat. Vous savez pourquoi on fait ça en plat? Ah, ça c'est pour brosser les vaches. Pour brosser les vaches. Ah, la brosse comme chez nous. Ça, c'est pour les vaches qui se frottent le dos. Et pour la raison pourquoi c'est tout. Hein? Les vaches doivent rester dans les tables, comme je dis. Hein? Mais elles ont le droit de sortir 3 fois par semaine. De la maison ou dans le buffet. On y va dans la cave de la maison. Oui, ce sont délicieux, ça. Les saucisses que j'ai ici, je vous donne un schnapps. Les saucisses que j'ai ici hein, sont faites à 3 viandes. La viande de bœuf, la viande de veau et la viande, un peu de viande de cerf. Oui, de cerf, hein, c'est plus, on mélange ça, on fait les condiments. Au condiment du chien. Je vous, c'est la viande de porc fumée. Hein? La viande de porc. Seulement la viande de porc ici peut faire hein, le jambon que vous avez ici. C'est une pièce énorme. La berquesse. Berquesse ou fromage de montagne, ça s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est fait de lait bio. Hein? La raison, le raffinage de ce fromage est de minimum. Eh ben c'est drôlement bon. Ici, on ne mégote pas sur des dégustations. Le coin musée. Ça a l'air de gêner, quoi, apparemment. Comment? On a l'impression que ça les gêne. Ah oui. Est-ce qu'on peut manger ça? Un morceau comme ça. Allez, on part par là. Quelque chose de mince comme un fil. C'est pour la lâche. J'étais fan. Hélas. On va commencer. On a acheté quelques trucs. Elle m'avait donné un tout petit, mais je ne les ai pas plus grands. Ça sera vrai assez. Je me rappelle quand j'enseigne en faisant dans la conscience. Ah, ben j'ai dit, c'est la qualité. Ça va changer de fille. En haut là-haut. Oui. On a pas d'ici. C'est beau. C'est magnifique. Elle adore, hein. Alors, il faut mettre où c'est barré, où le flash est barré. Vous avez l'éclair qui est barré. C'est curieux comme disposition, j'ai jamais vu ça. Enterrer un peu le partout dans cette église. Et il y en a seulement 8 qui sont représentées ici. Alors les statues, elles sont en bois. Vous avez le vieux coupé et les escales aussi à couper et les lits au bois. Alors on continue, parce qu'il était assez riche, et il a laissé sur le mauvais pas et il a...
Donc c'est comme ça qu'ils les ont nettoyés. En hiver, on ne chauffe pas l'église, c'est pour prévenir. Il n'y a pas de bonne sœur ici, il n'y a que des moines. Hein. Donc par exemple, du bois de rose, de cerisier, de noisetier, de noyer ou de mûrier. Le clavier sera bas comme ça aussi, et les moines un peu plus âgés et les moines malades. Nous savons maintenant pourquoi on dit « ferme ton clavier ». Alors, est-ce que vous connaissiez l'origine? Non, nous avons appris quelque chose. Tout à fait. Et vous allez vous en souvenir sûrement, non? Oui. L'Assomption de Marie qui suit, le Saint-Esprit, la colombe qui la reçoit au ciel, et pour terminer, Jésus sur la croix. Non, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. La ferronnerie est de toute beauté. On ne compte plus les tunnels, il y en a trop. Allez, une petite pause en haut du col. Encore à table. Petite balade imprévue au Liechtenstein. Le centre, qui est sans trafic, est la très belle partie de l'ancien Vaduz. Dans ce petit train, vous apprendrez aussi beaucoup de choses intéressantes sur l'histoire de Liechtenstein. Nous passons du centre de Vaduz à travers du Bindorf jusqu'à la Maison Rouge. En 1338, elle est mentionnée pour
pour la première fois dans un document. Oui, mais le milieu, là. On passe plus tard. Et vous savez que l'Olonoutre, c'est bien connu. Vous voyez les grands montagnes au sud, les petites montagnes. La frontière passe à l'Autriche, 14 Nous avons un climat agréable. Alors, c'est un peu trop bien. Petite ville résidentielle très animée, avec des bancs d'installation. En 1999, les citoyens suisses incendièrent le fort. La rondelle stands the National Parliament Building, which was newly built in 2017 and has the possibility to see multimedia. Trouve la maison du gouvernement et à côté la nouvelle maison du Parlement, construite en 2007. Après cela, se trouve à droite le nouveau Liechtenstein Center. Là-bas, vous pouvez obtenir un avantage d'informations du pays, des expositions itinérantes, des œuvres de la collection du prince de Liechtenstein, qui font partie des plus vieilles et des plus riches collections privées en Europe. Le musée de la Poste, qui expose des raretés de timbres de Liechtenstein, n'intéressera pas que les philatélistes. Si la musique originale de la polka du City Train vous plaît, elle peut être achetée comme CD. Demandez votre conducteur de train. Notre tour est bientôt terminé et nous arrivons à notre gare terminus. Nous espérons que nous avons éveillé votre intérêt pour le Liechtenstein et Vaduz, son lieu principal. Nous vous souhaitons encore un séjour agréable dans la résidence de cœur. Tiens, on le voit. Oh là, oui. Nous rentrons par les petites routes en traversant la Bourgogne. Dans la chapelle axiale, donc, qui est dans l'axe du chœur, où le vitrail est 15e. Voilà. Donc, après avoir vu toute une série de 13e. Les vitraux de la cathédrale Saint-Étienne sont magnifiques. Associés à une scène biblique qui a un rapport avec leur travail. Donc là, tout en bas, avec les deux écussons du bas, nous avons à gauche les charpentiers et à droite. Ici, avec deux chapeaux. Les villes et c'était un petit peu ceci un peu partout. Sur la vieux bourg, je mérite un détour. Tout simplement. Donc ici, on a un exemple intéressant de l'architecture de l'époque. Ce qui était compliqué quand on était propriétaire d'une maison d'angle. Et elle est particulièrement haute. Une partie de ces maisons dont je vous parlais tout à l'heure qui est sur. Et on voit une chose intéressante, plusieurs choses intéressantes. Déjà le style Renaissance qui est très très reconnaissable sur la façade, déjà avec les coquilles Saint-Jacques. Il y
c'est-à-dire le crépi. Ici sur la colonne au rez-de-chaussée, juste à côté de la porte d'entrée, on a les arts, énormément de décorations. Et voilà, c'est fini, on rentre. Dernier dîner à Mentou. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Munster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la 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 la. Chaque samedi après-midi, avec ma femme Germaine, on va remplir le caddie. On achète pour la semaine, on habille notre jogging, on va faire notre shopping, on rencontre les copains, on se raconte les potins, les nouvelles du village et les histoires de ménage. Après on s'en va, salut, que c'est chouette au Supru. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Munster. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Munster. Ya la la papa, ya la la papa, ya la 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 la.